je comprends pas. Est-ce qu'il n'a pas de micro, monsieur le régisseur? C'est dommage. C'était une fausse alerte, c'est pas grave. C'était une fausse alerte. Bon, c'est pas grave. Peut-être il a raccroché l'auditeur, je sais pas, mais c'est pas grave. Allô, appelez-nous. Merci. Allô? Oui. Oui, vous m'entendez? Oui, bonsoir, bienvenue dans l'œil du sable. Alors, bon. Quel est votre prénom? Sylvain, enchanté, Sylvain. Ah, vous m'entendez bien ou pas? Ça va, là, vous entendez un peu, une fois que ça marche, c'est génial. D'accord. Bah alors, moi, je suis vraiment content de pouvoir parler à Los Grumos, parce que c'est vraiment un des groupes que j'ai découvert il y a pas longtemps, et j'adore, quoi. Merci, c'est sympa. Merci. De rien, mais c'est vrai que moi je cherchais un peu des trucs différents. Mm-hmm. Et c'est un copain quoi, qui m'avait dit en ce moment la scène française ça bouge pas mal. Belle image du rap, tu me mets quelques Grumos et tu vas voir le truc par suite. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup aimé quoi. Alors je connaissais moins Adela, mais j'ai bien aimé aussi. Merci beaucoup, en tout cas ça fait plaisir. Hein. Bah ouais, non, de rien. Et toi t'es d'où? Comment? T'es de où? Moi je suis de Marseille moi. Marseille, ok. Oh là là, génial. Dédicace 13. Marseille, si. Merci, ça fait plaisir. Franchement, ton message, il nous fait vraiment plaisir. Ça va, ça booste. Merci beaucoup. Bah non, bah, je t'en prie. Mais du coup, moi je voulais savoir c'est de comment vous trouvez l'inspiration. Est-ce que c'est plutôt les anciens comme Zulman ou NTM ou IAM qui vous inspirent? Ou alors est-ce que c'est plutôt les trucs de maintenant, je sais pas, genre Caris et tout? Bon, déjà nous, pour commencer, ce qui a fait qu'on est entré dans le milieu de la musique, c'est plus des artistes comme Bob Marley, Tiken Dia Fakoli, et puis également des artistes de chez nous comme Lumba, des artistes assez... C'était pas vraiment hip-hop, on était plus reggae, etc. Après, tout ce qui est hip-hop, on a commencé à écouter le rap français. Plus jeune, on n'a pas trop accroché parce qu'on n'y comprenait rien au punchline. Et ce qu'il faut dire, c'est que la scène rap d'avant, au niveau de l'écriture, c'était beaucoup plus pointilleux et il fallait vraiment écouter pour comprendre. Et nous, ça ne nous branchait pas. Donc on écoutait plus du rap US. Tout ce qui est Noiti Banatu, on comprenait rien mais au moins on savait pourquoi. Voilà, on comprenait pas mais on savait pourquoi, c'est parce que c'était en anglais. Ouais. Donc on écoutait beaucoup plus les rappeurs anglais. C'est après quand on a pris de l'âge et qu'on a commencé un peu à bien comprendre les punchlines, qu'on s'est intéressé au rap français, mais c'est plus les artistes reggae, dancehall également, comme Sean Paul, etc. Et les infos, on voyait des trucs, des inégalités et tout, on se disait, putain, comment on va extérioriser toute cette frustration. Et puis moi j'ai commencé à écrire tout doucement, et puis mon frère au début me regardait comme un ovni, puis après il a pris goût. Mais sinon vraiment pour avoir de l'inspi, nous c'est vraiment au jour le jour. C'est on peut sortir de d'ici. Et on va voir quelque chose dans la rue qui va nous titiller, ça va nous faire faire un morceau. C'est vraiment, ouais, c'est au feeling. Je peux te croiser toi demain, tu me dis que tu viens de Marseille, on discute bien, et après-demain, il y a un son qui sort et ça parle de Marseille. C'est ouais, je vois, c'est ouais. Vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est au feeling. Et la scène rap d'aujourd'hui, la scène rap d'aujourd'hui, nous, on va dire que on écoute, mais après c'est pas forcément notre source d'inspiration. Donc en fait pour vous il n'y a pas eu encore d'évolution par rapport au rap français. Si, non, on va dire que non, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'aujourd'hui le rap il est beaucoup plus accessible qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas trop compliqué de comprendre le rap français aujourd'hui. Hein. C'est beaucoup plus simple. Donc, en fait, c'est plus le rap français, il est calé un peu sur le carré. Ça veut dire que c'est plus la mélodie, etc. Voilà. Il y a plus trop de les punchlines. Par exemple, un mec comme Lino, aujourd'hui j'écoute, je kiffe. Mais à l'époque, ses punchlines, les métaphores et tout, je me dis qu'est-ce qu'il raconte. Et là, avec du recul, ouais, je me dis c'était très très lourd. Et là, les jeunes d'aujourd'hui, eux, ils ont des artistes qui font des textes, on va dire assez légers. Donc c'est plus simple, donc le rap français a pas mal évolué, je pense que le patron d'ici pourra en dire autant. Hein. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de violence dans le rap, quand on voit par exemple sur le Brocante Game, les rappeurs qui se menacent entre eux, qui font
font même, c'est des vidéos interposées. Ouais, mais c'est beaucoup de cinéma, ça. Ils font comme les Quinri, tu vois, c'est du buzz. Voilà, c'est ça, tu vois. La plupart, après, je ne connais pas les histoires de chacun, mais 90%, c'est... Il n'y a rien. On connaît pas le vécu, tu vois. Mais j'en voyais un autre, par exemple, il disait qu'il revenait de son vide-grenier, il montrait un peu les trucs qu'il avait achetés, et en même temps, il menaçait un autre dans le game, tu vois, en disant que ça allait prendre sa place, qu'il avait plus vendu que lui, et tout, et tout. C'est les rappeurs, c'est plus pour la musique. Après, faut pas oublier que c'est de l'entertainment, hein. Ils sont là pour vous enjailler, pour vous faire parler, pour vous faire kiffer, vous faire cliquer sur internet. Donc c'est de l'entertainment. C'est comme un méchant dans un film, dans la vraie vie, ça se trouve, c'est un ange, tu vois. Une fois qu'il est dans son scénar, c'est un méchant, mais quand il rentre à la maison, c'est un gentil. Donc la musique, c'est de l'entertainment. Avant, les gens, ils étaient vraiment... Avant, c'était, on va dire, du vrai. Avant, quand le mec c'était un méchant, tu sentais que c'était un vrai méchant. Mais là, aujourd'hui, maintenant, y a beaucoup plus d'acteurs que... Non, moi je pense qu'il faut pas se fier à la violence que pas tu vois. Faire attention à ça, faire attention à ça. Il faut se concentrer sur la musique, et pas chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière la musique. Tu kiffes pas, mais il faut pas que tu kiffes et que tu te dises non, mais ça se trouve, c'est pas vraiment un voyou, lui, faut pas que j'écoute. Non, t'écoutes, t'aimes bien, après, sa vie, c'est sa vie, la tienne, c'est la tienne. Moi j'entends souvent, et nous ils disent oui, mais ce rappeur-là, il a pas fait de prison. Mais le morceau qu'il fait, toi qui as fait de la prison, est-ce que t'es capable de le faire? Non. Donc moi je préfère écouter un mytho qui me vend la prison et qui le fait bien qu'un mec de prison vraiment qui vient me rappeler le truc salement. Il n'y a pas de fond, ça ressemble à rien. Déjà, il y a une seule chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que dans le rap, il n'y a pas de gangster, il n'y a pas de voyous. Les voyous, là, ils ont pas le temps d'aller en studio, rapper, etc. Même un vrai voyou, il se fait discret. Ils ont quoi, pas le temps de mettre la lumière sur lui. Ouais. Il va s'exposer. Regardez-moi, je suis un fou. Non, il va s'exposer, après, il va sortir d'une radio, il va se faire plomber. Je pense peut-être vous pouvez en témoigner aussi, je sais pas, mais en tout cas, le rap, à la base, c'était quand même une musique pour des mecs qui étaient plus de la rue et tout. Par exemple, tu sais, je sais pas, il y a des rappeurs qui disent qu'ils attrapent un mec, qui lui ont mis deux basses dans la gueule et que, genre, ils l'ont fait faire foutre ou des trucs comme ça. Enfin, ça fait partie quand même du vécu que va avoir un mec, tu vois, quand ils attrapent un mec de ce système-là, ça, je pense que ça les inspire, tu vois. Et pour moi, un mytho, il ne fera jamais de la bonne musique, quoi. Bon, mais toi, par exemple, quand tu fais une connerie, t'as l'habitude d'être dénoncé tout seul? Tu vas jamais te dénoncer. Ouais, donc, est-ce que tu penses vraiment que les rappeurs vont faire des bracos, des je sais pas quoi, et puis ils vont mettre ça sur une bande et diffuser ça pour que tout le monde C'est pas logique, ouais, tu vois. Non, c'est que de la musique. Hein. Après, je pense qu'on exagère un peu quand c'est un rappeur. Un rappeur qui te dit oui, j'ai tiré, ça fait tout de suite tout un tralala, alors qu'un mec de la variété française qui va te dire j'ai tiré, j'ai fait ça, ça passe crème, c'est de la musique. Ouais, non, c'est vrai, il y a toujours le côté un peu tant pis je meurs, je raconte tout ce que j'ai fait. Ouais, donc dis-toi un pisse, hein, tous les rappeurs ils sont cool, hein, la plupart. Après, il y a peut-être un ou deux fous, mais ça c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des fous partout. Et bah, avec... C'est vrai que... Vous êtes pas du tout dans cette espèce de faire semblant que on va être des gangsters et tout, c'est non, dans la musique, ce que j'avais vu dans votre musique, quoi. Non, ce non, que non. J'avais bien aimé aussi. Ouais. Au départ, on était un peu turbulent parce que c'était l'état d'esprit du moment. On était dans le truc. Voilà, on était encore dans notre folie à kiffer. Quand tu voyages beaucoup, ton état d'esprit. Voilà, c'est ça. Bah justement, j'ai envie de voyager avec vous par rapport à votre musique. Sylvain, on écoute un peu leur son, leur titre, ça me ferait plaisir. Sylvain, il va falloir qu'il attende un peu parce que il m'a prévenu, il m'a dit donne-moi la clé, mais la clé, j'ai pas encore donné. On peut pas.